Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bah, comme souvent dans la chaîne, il y a des gens qui rigolent à regarder filmer. Faut rigoler. Et ouais, donc le salon du véhicule de loisir, du camping-car et tout ça. Donc on va aller visiter tout ça, puis aller voir les nouveautés. Allez, bonne vidéo. Générique. C'est bien, cette année on rentre dans le vif du sujet. D'habitude ici c'est les vannes aménagées et là on est vraiment dans le camping-car. Tout de suite on va aller visiter tout ça. Francky, tiens, allez go. C'est quand même bien, hein. La douche sur le côté. Hop. La douche sur le côté, le lit, central, mais qui prend vraiment toute la largeur. Alors j'imagine qu'on peut dormir dans ce sens là ou dans ce sens là. C'est pas mal. Et bah, j'imagine que les toilettes sont ici avec le petit lavabo. Et coucou, et le carré face à face, salon face à face. On est pas mal. Il y a même un petit four. C'est propre, hein. Bien équipé, ça a l'air un peu solide, si on veut, avec le lit pavillon en plus, nickel, il fait 8 mètres de long, enfin, c'est sur quoi? C'est sur Mercedes, et bah dis donc c'est propre, combien ça vaut? 187 000 euros, waouh, ah oui quand même, 3,20 m de hauteur. Bon, on va aller en voir un autre. Celui-là est un peu moins cher. Avec vraiment le double essieu arrière. C'est un poids lourd. Ou... Il y a quand même des vannes. Alors, ouais, les couchages en superposé. Pas mal. Il y en a d'autres là. Je vais essayer de pas trop filmer les gens quand même. Parce que c'est pas génial. Il y a vraiment des tout petits camping-cars. Tiens, on va le visiter celui-là, le Batwiss. Toilette, douche, c'est vraiment tout petit. Mais il y a quand même la place de tout. Hein. Grand lit, accès à la soute, j'imagine. Ah non, petite soute. Ok. Des placards partout. Coucou les internautes. Et mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment tout petit, tout petit. Ah, il y a quand même un lit pavillon, mais une personne. Ouais, ça serait plus camping-car pour une personne, ça. Combien? 45 000 euros. Ouais, je crois que c'est cela, la nouveauté de l'année, avec ces vannes aménagées, mais avec le toit qui s'ouvre. On va filmer de côté. C'est Campeo, Barbersner. Ah oui, mais sauf que ça, c'est un 4x4. C'est pas mal, 55 000 euros. Donc bah, là-haut, il y a une autre chambre, en fait. C'est pas mal. Petit panneau de commande, la cuisine, les toilettes, douche. Bon, ça reste un peu minimum, quoi. À 4, quand il pleut, bon, c'est ce que je dis toujours, hein. Quand il pleut dehors, et puis à 4, dedans, ça fait un peu short. Mais bon. Un peu comme cela, quoi. Dès qu'on est un peu famille nombreuse, ok, il y a le truc au-dessus. Bah, faut être tout seul, quoi. Tout seul, c'est bien, mais... Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, hein. La cuisine, le petit frigo en dessous. Ça, là, ça doit se replier en lit, imagine. Donc les enfants en bas, les parents en haut. Combien? 50 000 euros. Un peu seul, quoi. Pas mal dedans, hein. C'est classe. Grand salon. Grand carré un peu face à face. Évidemment, le lit pavillon. Ah, et là, il y a de l'espace.
super lit à l'arrière. Alors, par contre, c'est pas comme dans le Bestless ici. C'est douche d'un côté. Pas mal. Et j'imagine les toilettes de l'autre. Coucou les internautes, encore. Pas mal, on le voit de plus en plus, hein, de toute façon. C'est pas vraiment des nouveautés, ça. Mais c'est classe. Alors, le Liseo TD644 Privilège. Eh ben, c'est une configuration atypique, en fait. Puisque le lit pavillon, il est derrière. Au-dessus du salon. Et la cuisine est là. Alors qu'en fait, la douche est là sur le côté, les toilettes ici j'imagine, et le poste, juste derrière le poste de pilotage. C'est vraiment atypique, on voit pas beaucoup de camping-cars fait comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a des rangements, panneaux de contrôle, tout, c'est pas mal. Pas de four par contre, ils nous ont mis une petite télé, grand frigo, sympa. Ouais, non, pas mal. C'est vraiment ça, je crois, la nouveauté de cette année ou de l'année dernière. Comment ? C'est les vannes aménagées avec le toit qui se relève au-dessus. Pour faire une piole en plus, une chambre en plus. C'est pareil, ça met à 4, ça fait lâche. Il y a de la place hein, quand même, mais faut être tout seul, je pense. Il y a même une petite télé sympathique. Pas mal. Hein. 68 000 euros. Allez, on va aller voir les Carthago là. C'est vrai que c'est Carthago, ça déchire. Et je voudrais voir chaussons et itinéo évidemment. J'espère qu'il y en a. Alors, le chic E-Line. Soute énorme. Il y a de quoi faire. On peut mettre les vélos, une moto, un scooter. On est en intégrale. Carthago, normalement, c'est la grande classe, bah voilà. C'est vraiment, déjà, rien que comme ça, c'est classe. Le pavillon, la cuisine, bah ouais, super belle. Super classe. Le lit à l'arrière, c'est pareil, ça doit être... Bon, il n'y a pas le matelas, mais... Il y a des rangements en dessous. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Ah, je regrette un peu ça. Je suis pas très fan en fait. De la douche dans la chambre, ça me fait penser un peu au Pulse de Deathless avec les toilettes qui sont là. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Plein de placards partout. C'est chouette. Super carré. Mobile Veta, c'est pareil, c'est superbe Mobile Veta. Ah, alors attendez, je viens monsieur. Non, c'est pour pas vous filmer tout simplement. Ouais, ouais, je vais aller voir celui-là. Ça, c'est le C-Line. 114 000 euros. Oui, c'est sensiblement la même chose que celui d'avant. Ouais. Sauf que la cuisine est moins grande. C'est pas mal. Mobile Veta. Je suis assez fan de Mobile Veta. Ouais, les implantations, c'est sensiblement un peu partout pareil. C'est vraiment... Voilà. Comme ça, sauf que ici, la cuisine est là, juste en face de l'entrée. Avec tout ce qu'il faut, évidemment. Tout qui va bien. 8 pavillons. Les salons face à face, c'est pas mal. C'est pas mal. Carthago, ils ont fait un aussi qui est tout petit, super lightweight. Ah, ça vaut quand même 93 000 euros. Bah, le Carthago, hein. Là, c'est le compact line. Il est vraiment tout petit. Combien? 641. On rentre. Le salon. Ah ouais, mais c'est un lit une personne en fait.
Ouais. Faut pas être gros, quoi. Ok, toilette et douche. Pas mal. Il est vraiment tout petit, tout petit. Ici. Ça ressemble limite à un van aménagé. C'est pas mal aussi les caravanes pour 20 000 euros neuf. Le lit il est là. Toilette, douche. Ah mais ah, si, il y a même une cuisine. Ici c'est un peu pour faire la toilette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tout petit. Alors voilà ce que je voulais voir, Itinéo. Celui-là, c'est le CJ660. Collection 2022. Très bien. 661, ok. Allons voir. Ça a l'air balèze. Ah, on rentre direct dans le carré poste de pilotage. Petite banquette. On est là, et quand on se retourne, pareil, on est sur une implantation limite un peu van aménagée. Et par contre, derrière, il y a vraiment de la place. Un grand lit. Le frigo qui est top. La toilette et douche dans le même truc. Là, il y a les deux, quoi, congélateur et le frigo. Et à l'arrière, un grand lit. Est-ce qu'il y a et 8 pavillons en plus que je vous montre tout de suite. 8 pavillons qui descendent aussi là. C'est pas mal. Alors, c'est aussi celui-là que je voulais voir chez Itinéo, le CS660. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut fermer ici. Partie chambre, là, partie douche, toilette. Et à l'arrière, les lits superposés et de manière compacte avec la petite table qui va bien pour pouvoir faire les montages vidéo. Pas mal. Ouais. Et papa, il dort là-haut sur le lit pavillon. Bon, j'espère que ça vous plaît. Ouais, pour le moment, ça va, c'est cool. Allez, on continue. Voilà. Ouais, c'est toujours. C'est toujours les mêmes polémiques hein, entre les camping-caristes et les vans lifers, je sais pas comment on dit. C'est à peu près c'est un camping-car voilà, en plus petit. Et l'avantage, c'est qu'on peut se garer n'importe où, en ville et ouais, dans la rue, un peu partout. Quoi. Or, avec un camping-car, c'est un peu plus compliqué. Les 4x4, il y en a plein cette année. Ouais, c'est. Bon, c'est un camping-car. Hein. On dirait un peu l'implantation de celui de ma maman. Et le tapis. Pas de lit pavillon par contre. Ouais, c'est un van 4x4. Mais, cette année, il y en a plein sur le salon. Plein. Pas mal ça. Des lilas. Hein. C'est un. Un capucine mais très compact. 60 000 euros, 61 000 euros. €415 par mois. C'est le Sport S. Ah ouais, cool. Avec lit superposé à l'arrière. Ça c'est pas mal. Ça c'est quand même pas mal du tout. La cuisine elle est là. De ce côté là et c'est à toilette et douche séparée, c'est pas mal. Est-ce qu'on voit grand chose dans ce que j'ai filmé? Ah puis ça se remonte en électrique, il se remonte en électrique, donc en fait on peut en avoir. Ah, ça c'est pas mal. Ah ouais, j'aime bien. Et la capucine. Ah, il est vraiment super celui-là. Super. Comptant, 53 000 euros. À la croisée du van et du camping-car. Ouais, c'est vrai. On ne sait pas trop si c'est des vans, on ne sait pas trop si c'est des camping-cars.
pas. Allons voir à l'intérieur. Un lit arrière, les toilettes, la cuisine qui est là. Tout petit ici. Ouais, c'est compact. Les caravanes, elles sont pas mal aussi. Ça commence direct. Lit superposé à l'arrière pour les enfants. Le petit salon qui va bien. La cuisine, parfait. Il est où le frigo par contre? Non, ah, il n'y a pas de frigo. Ça, c'est étonnant. La salle de bain, douche, les toilettes, la douche et la lit des parents. C'est pas mal. Il n'y a pas de frigo par contre. Bon, ça va pouvoir se mettre. Là ici c'est pareil, il est superposé. Ce qui est bien, hein. Les toilettes elles sont ici. Par contre c'est pas de... Pas de frigo. Ouais, pas mal. Les caravanes, belle nouveauté. Je comprends pas trop par contre les frigos. Puis ce que je trouve dommage, c'est encore une fois, il n'y a pas beaucoup de capucines. Il n'y a pas beaucoup de capucines. Tiens, on va aller voir la mancelle. Ça n'a pas l'air mal. Élégance 4,90. Ça doit faire 4,90 m. Ah bah là, il y a un frigo. Une vraie cuisine. Ah bah voilà. Tout nickel. Toilette, douche. Voilà. Grand salon. Et le lit là-bas. C'est pour un couple sans enfant. Plus le haut-vent, ça fait de la place. Celle-là, elle est pas mal. Superposé à l'arrière. Il y a peut-être un petit problème de frigo, encore une fois. Toilette et douche, c'est ici. Les enfants, ils ont mis leur lit superposé et quand on retourne, paf, à l'avant, chambre, lit, parents. Ou papa, dans mon cas. C'est pas mal. L'avantage d'une caravane, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un camping. Voilà, ouais, non mais là c'est pour mettre la moto, ouais, ou le scooter à deux roues à l'avant. Ouais, là. Oui. Il y a vraiment le transfo, là, comment ça s'appelle déjà ça, un inverteur, un truc. Ouais. Avec les grosses sections de câbles. Hein. Ouais. Grosse batterie immense. Ouais. Et on va aller voir à l'intérieur. Bah d'extérieur ça donne ça déjà. Oh, la soute, elle est immense. Ça, c'est vraiment gros poids lourd, poids lourd, poids lourd. Je vais éviter de filmer le monsieur. On va aller voir dedans. Pas mal. Petit carré, là, salon. Petit salon qui va bien. Même ici, c'est sympa. Lit pavillon. La cuisine, ouais. Pas mal. Ah bah, il y a de la place, hein. Ah la vache, ouais, super. Au milieu. Et puis le grand lit à l'arrière. C'est immense. Les toilettes, il y a de la place. Immense. Grand placard, j'imagine, ici. Pas de doute, c'est immense. Mais est-ce que ça vaut le coup de voir un truc aussi grand? C'est pas sûr. 199 000 euros.
il y a des options. Ici s'achève la visite du salon du camping-car 2021, octobre 2021. J'espère que ça vous a plu. Alors moi, ce que je peux noter, c'est que on voit à peu près la disparition des lits à la française, les lits sur les côtés. Maintenant c'est que des lits arrière en fait. Il y a quelques nouveautés sympas là, et beaucoup de vannes 4x4. Bon, on n'a pas tout visité, hein, évidemment, ils sont à peu près tous pareils, on va dire. Donc voilà, alors vous n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez suivre d'autres vidéos. Et puis appuyez sur la petite cloche, hein, pour être. J'en ai pas fait beaucoup là ces derniers temps, enfin depuis 6 mois, on va dire. Mais je vais essayer de recommencer quelques vidéos. Bah, allez, à bientôt, ciao. Mettez un pouce bleu. Et abonnez-vous.